Salut Carapuce Blue, salut, salut, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, ici Poils, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme en ce jeudi, et qui dit jeudi, bien évidemment, dit à la fin de la semaine qui s'approche, et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt génial. Voilà, donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'accessoirement vous êtes devant votre PC ou sur votre smartphone ou sur votre tablette. N'importe quel support fait grandement l'affaire. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis absolument pas là pour juger. Mais si vous êtes là ce soir, non seulement c'est pour deux choses. Déjà, l'une, c'est pour voir de la picastagne. Oups, comme ça. Ce sera mieux. Et de deux, la deuxième raison, c'est que vous n'êtes pas allé voir Kaamelott au cinéma. Déjà, je vous juge. Déjà, je vous juge. Et de deux, enfin de deux. Et si vous l'avez fait, si vous avez vu Kaamelott, si comme moi vous avez vu Kaamelott hier, vous êtes des gens bien. Vous êtes des gens très très bien. Sachez-le. Sachez-le. Vous êtes la crème de la crème. En même temps, c'est normal, vous êtes sur mon stream et vous êtes des viewers assidus qui plus est. Alors là, les assidus et ceux qui sont sub, ceux qui ont claqué le sub, vous êtes l'élite de la crème de la crème. Voilà, en tout cas, bah écoutez, ça me fait plaisir de vous voir. Donc franchement, Kaamelott, je me suis régalé, acidulé. Je me suis régalé hier, vraiment. Bon, après, les conditions sont un petit peu particulières, parce que bon, j'ai privilégié le cinéma de ma ville. Et bon, le cinéma de ma ville, c'est pas un gros gros cinéma non plus. C'est pas un cinéma Mirobolo, c'est pas un multiplex. Non, non, pas de spoil. Il y aura pas de spoil. Vraiment, aujourd'hui, il n'y aura pas de spoil. Non, juste pour raconter un petit peu l'aventure d'hier. Du coup, ouais, c'est un petit cinéma. C'est un cinéma, on va dire, à l'ancienne, entre guillemets. Bon, certes, ils ont fait des améliorations. Mais bon, les améliorations, c'est pas, voilà, c'est pas folichon, quoi, non plus. Hein. Alors, quand déjà tu vois le patron, déjà tu comprends tout. Hein. Déjà, tu vois, c'est franchement, c'est le mec, c'est le cliché. Le mec, c'est vraiment le cliché, quoi. Le mec, putain, mais on le voit, déjà quand tu arrives à l'entrée, déjà, ça va, pas de problème. Jusque-là, pas de problème. Quand le mec commence à te parler. Déjà, tu cherches où sont les caméras. Tu dis, attendez, attendez, mais où sont les caméras là? C'est une caméra cachée. Le mec, c'est un putain de cliché. Avec l'accent marseillais, mais alors vraiment l'accent marseillais plus plus, parce qu'autant j'ai un accent certes, mais là c'est plus plus. Le mec, c'est vraiment le cliché, mais le cliché. Rajoutons à ça sa voix qui est extrêmement forte. Plus le mec, oh bah putain, oh, ça me casse les couilles, ce passe sanitaire, je l'ai mis le mille, oh, machin à moins de 50, le masque là, putain, mec, mais putain, mais voilà, je veux pas rentrer dans des débats, mais putain, je dis bon, ben voilà, voilà c'est le cliché, ce mec c'était le cliché, alors hormis ça, voilà, alors certes, il y a le Covid, tout ça, mais même avant le Covid, ce mec, c'est le gros cliché. Il y avait un projet de multiplex qui devait s'implanter ici sur Arles. Ça a été vraiment le mec, il a remué ciel et terre pour paquer projet, puis après, il a candidaté sur le projet. En fait, ce mec, c'est un gars qui finit, c'est vraiment un gars qui finit. Mais pour en revenir à ça, du coup, je prends ma place, pas de problème, je m'installe dans la salle, il y a des gungs. En même temps, j'aime arriver toujours une heure avant. Ça, c'est mes pro-types. Pro-type, toujours arriver une heure avant. Pourquoi? Pour avoir la salle, vraiment la salle à toi. Vraiment, tu as largement le choix de la place. Parce que du coup, la salle est complètement vide. Tu es la première personne à arriver, donc du coup, tu as le temps de
trouver la position optimale. Alors généralement, quand tu connais les ciné indépendants, sont souvent tenus par des artistes. Ah ouais, non, bah là, c'est une art... Alors lui, c'est une vedette. Ça, là, c'est une vedette. C'est une vedette. Sans déconner, c'est un artiste plus plus. Là, on a affaire. Là, on a affaire à la crème de la crème. Là, franchement, c'est la crème de la crème. C'est une pépite. Ce mec, c'est une pépite. Donc, du coup, je m'installe, je trouve ma place. Alors, déjà, ça me fait chier parce que, bon, dans ce cinéma, on a trois salles, ce qui est plutôt cool. Sauf que, première salle, alors, c'est la première salle, je l'appelle la salle archaïque. C'est avant qu'ils fassent des travaux pour justement d'amélioration. Il y avait deux salles. Avant, il y avait deux salles, donc il y avait la petite salle et la grande salle. Donc, en fait, du coup, la salle 1, c'est la salle de la résistance. C'est la salle qui est restée. C'est la salle qui a survécu à tout ça, qui a survécu au temps, qui a survécu aux travaux, voilà, amélioration de zéro. Voilà. La deuxième salle, du coup, en fait, la grande salle, à partie Marius, ils ont divisé la grande salle en deux salles. Donc, du coup, la deuxième salle, qui est du coup la grande salle, qui est, on va dire, un peu plus améliorée. C'est une salle neuve, hein. Elle est neuve, avec des fauteuils neufs, un écran neuf et un système son neuf. Mais bon, c'est pas mirobolant, le système de son et l'écran ne sont pas mirobolants. Et la troisième salle, que je ne connaissais pas jusqu'à présent, jusqu'à hier. Du coup, je l'ai découverte hier, à ma grande surprise. Alors, les sièges sont super beaux. D'ailleurs, je me suis amusé à faire une photo que j'ai publiée sur les réseaux sociaux. C'est pour ça, hein, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Du coup, la voici, la voilà. Alors, les fauteuils sont très très beaux parce qu'ils sont bleus. Voilà. Voilà la salle. Voilà l'envergure de la salle. Et très honnêtement, la qualité de l'écran est dégueulasse. Le son, n'en parlons pas, il était dégueulasse. À chier. Vraiment à chier, je l'ai trouvé à chier. Le son, j'ai vraiment trouvé à chier. Vraiment, ça ne rendait absolument pas hommage à ce film. Ce film est super bien travaillé, je ne spoil absolument pas, je parle juste au niveau de la technique. Il est extrêmement bien travaillé, il est extrêmement bien, il est très très bien travaillé en termes de technique, il y a de la qualité, il y a de la qualité. Je me suis renseigné aussi sur le matériel utilisé, les caméras, c'est de la balle quoi, c'est de la bombe, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est pointure, surtout en sachant que c'est qu'un modèle de caméra qui a été utilisé pour l'ensemble du tournage, mais bref. Que ce soit ça, la qualité d'image, comme la qualité sonore, puisque bon, c'est Alexandre Astier aussi qui a composé les musiques, orchestrales en plus, qui plus est, donc John Williams n'a qu'à bien se tenir. Putain! Le cinéma de mon patelin, enfin, le cinéma de Fémina Arles, ah ben, il a tout niqué! Voilà, il a tout niqué! Il m'a niqué le film! Putain, j'étais là, oh merde de merde de merde. Donc voilà. Mais d'un côté, c'est une bonne excuse pour retourner le voir, pour retourner voir le film. Mais cette fois-ci, je vais essayer de trouver une grande salle, un multiplex avec l'IMAX et le son qui pulse quoi, le son qui pulse sa mère. Parce que franchement, c'était dommage, c'était dommage parce que du coup, ça a un petit peu gâché mon expérience. Ouais. Après, oui, on va au ciné. Mais ouais, mais quand tu vas au ciné, tu vas aussi vivre une expérience. Tu vois, c'est pas qu'un film. C'est honteux! C'est exactement ça. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Parce que quand on va au cinéma, on ne va pas voir qu'un film. On va vivre aussi une expérience. Et cette expérience-là a été complètement gâchée de par le matériel. Bah après le matériel, le mec il semble, ouais, c'est une vedette, le mec il semble, le mec voilà, ouais, je gère le cinéma, voilà quoi. Après, certes on était bien assis, on était confortablement assis, ça y a pas à dire. Mais le système de son quoi, mec, putain, mais améliore ton système de son quoi. Alors je comprends qu'il y a eu des difficultés derrière entre le Covid, etc., etc. Alors, quand il y a eu les gilets jaunes, n'en parlons pas aussi. Le bonhomme là, ouh, 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 ouh. Oh putain, voilà. Mais bon, ça,
C'est un autre débat. Mais putain, mais ouais, quoi. Tain, le film a été un petit peu gâché par rapport à ça, par rapport au fait que, il n'y a pas le système qui va avec, quoi. Le système ne suivait pas. Et c'est vraiment dommage. C'est ce que je reproche de mon expérience d'hier. Mais bon, après, j'ai choisi aussi de privilégier le cinéma local. Mais bon, après, voilà. Après j'ai, très honnêtement, j'avais pas envie de prendre ma bagnole pour aller péter à Nîmes. Pour aller au multiplex le soir, je suis à moitié fracas. Je le ferai pendant mes congés, mais là j'avais pas envie, quoi. J'avais juste envie, c'était d'y aller le premier jour. Focus, Kaamelott, vite, comme ça au moins. Si jamais il y a une pute spoil sur internet, à la Matrix. Voilà, mais aussi pour le voir Day One, parce que bon, c'est ce film, il faut absolument le voir. Vraiment, allez le voir. Si vous aimez Kaamelott, vous allez vous régaler. Il est bourré de petites références par-ci, par-là, justement à la série. Si vous n'aimez pas Kaamelott, franchement, bah ouais, allez le voir, parce que c'est quand même beau. C'est quand même un très beau film. Mais vous ne serez pas non plus dépaysé, parce que bon, si vous n'avez pas Kaamelott, vous n'avez pas suivi Kaamelott, vous ne serez pas plus dépaysé. Il va y avoir un petit dépaysement, certes, mais pas plus, quoi. Après, ce sera un bon divertissement. Mais pour les fans de Kaamelott, il est bourré de références à tout Kaamelott, mais j'en dis pas plus, et j'ai promis de pas spoiler, je ne spoilerai pas. Donc voilà, mais bon, vous êtes pas là pour qu'on parle de Kaamelott, je suppose. Vous êtes là pour la pique castagne. Je suppose que vous êtes là pour la découverte de Pokémon Unite, parce que oui, Pokémon Unite est sorti hier aussi. Et voilà, et puis bon, Pokémon Unite, il doit y avoir 50 000 streamers et des gros streamers qui doivent le faire. Donc voilà, pour la visibilité, ben, c'est un peu honteux. Ah, chaud bouillant. Ah bah oui, mais moi j'ai pas préparé mon matériel. Non, je plaisante, j'ai tout préparé, sauf que j'ai pas sorti les Joy-Con de la Switch. Du coup, j'étais prévoyant pour ne pas reproduire l'expérience désastreuse de Mario Kart de la semaine dernière. J'ai préparé du coup le petit galet 4G pour la Switch. Comme ça, ça niquera pas le live. Et c'est parti! Oh non, merde! J'ai mis ce clic, j'avais envoyé ce Pokémon épée. Ah là, vous pouvez le dire que c'est honteux. Merde, j'avais mal appuyé. Donc c'est la totale découverte. Je ne connais absolument pas le jeu, je ne l'ai pas fait, puisque bon, hier soir, j'avais autre chose à faire. J'ai fait une configuration vite, pour le langage et pour les conditions, enfin les conditions d'utilisation, blablabla. Et accessoirement, j'avais téléchargé aussi les mises à jour, s'il y avait des mises à jour. Donc voilà, donc on va voir ce fameux free-to-play. Tu as fini les tutos? Pas du tout, j'ai même pas fait les tutos. Donc ce sera l'occasion de faire les tutos en live. Ah non, ce sera la découverte de A à Z. Ah oh. On fait la découverte de A à Z, s'il vous plaît. Trainer name. Tu vois, je n'ai même pas donné mon nom. Alors, mon trainer name, c'est bien évidemment Fouals. Fouals VD. Tac. Fouals VD. Je confirme. Alors je suis un bonhomme, un petit peu, voilà, un petit, on va le mettre un peu bronzé. J'ai des yeux comme ça, ouais. Je fais une game de mon côté en attendant. Y a pas de souci. Vas-y. Y a pas un avatar chauve, hein. Voilà, on va faire des cheveux soyeux. Oh, la classe. Et on peut pas les mettre en bleu, non? Ou un truc comme ça. Bon, on va les mettre blond platine, comme ça.
Orange, unit 7. Ouais, on va mettre orange. Voilà, incroyable. Professeur Forus, welcome to Aerosland. Mon nom est Forus. Et je suis à la tête de Aeros Research Industries. Fais la chauve. Ouais, mais ça marche pas. C'est de la merde. I perform research of the mysterious energy of Aeros Aeros Island. Ouais. You're new here to the Iceland, aren't you? Vous êtes maintenant sur l'île, aren't you? And you have the look of a Pokémon trainer about you. Unit Battle, gna gna gna, donc en gros ouais, c'est salut Herbie, oh putain Herbie, Herbie c'est un petit peu comme Herbie NB. Ah ah ah, c'était tout pour moi. Bon bref, il parle trop, il nous présente les Pokémon. Donc après c'est dommage, c'est que c'est pas en français, alors après je sais pas si, si ton côté Carapuce Blue tu as trouvé ou tu as réussi à mettre en français. J'ai vu juste anglais ou alors chinois, japonais. Avec YOLO. Alors. Pas pour le moment, ah bah ouais. Donc là on est pique assiette. Here we are, this is the practice arena. This is the perfect place to learn the basic of unit battle. Yes, practice battle. Donc là, ok, donc L to move, ok. Donc là, L pour bouger, ça c'est cool. Bon, en même temps, pas de souris. Oh là! Un cap humain! Alors, A, c'est l'attaque basique. Et voilà. Oh là là, encore un cap humain! Alors, j'ai du coup collecté de l'énergie à Aeros. Ah, Aeros. In your unit ball and scoring a goal with that energy on the opening team goal zone. D'accord, donc en gros, il faut, faut récupérer ces espèces de Pokéball et les mettre dans l'anneau. Dans l'anneau de l'adversaire. Enfin, dans la zone, de la, dans la zone adverse. Waouh! Goal! Par contre, ça va être super chiant parce que j'ai le Joy-Con Drift. Donc, du coup, pour contrôler le Poké, ça va être chiant. Allez, bim! Pourquoi je peux pas. Ah! Ah voilà, j'allais dire, mais attends, mais j'ai Volt Tackle. Et ça marchait pas, Volt Tackle. Allez, hop là, boum. Oh là là, plein de points. Oh, on fait un bloc de points. Est-ce que dans la zone adverse là? Non. Allez, il faut continuer de battre des Pokémon adverses. Oh là là, attention, vive attaque. Mais... mais je fais ZR! Ça marche pas, ça marche une fois sur deux! La merde! Non mais 13 ça fait 13 plus 5 ça fait pas 30. Hein. Ouais, vous allez voir ce que vous allez voir! Huch! Quand on dit que quelqu'un délète le jeu Go jouer à Pokémon, c'est ce jeu qu'on. Le jeu Go jouer Pokémon, c'est ce jeu qu'on parle. Alors en fait, celui-là il est nouveau. Il est nouveau ce. C'est un nouveau jeu. C'est un nouveau Pokémon. Alors j'essaie de suivre en même temps et là il me déstabilise le jeu là. Là, Water Total, oui, c'est bien, Water Total. De délaître le jeu. Après, enfin, là, récemment, peut-être que c'est de celui-là, peut-être que c'est celui-là qui parle. Mais en fait, celui-là, c'est le, on va dire, un League of Legends version Pokémon, en fait. Voilà, mais je vais mourir.
Ah, mais j'ai pas fait mon unit move. Ah, donc il lâche des boules d'énergie. Ah non, ça devrait être bon. Voilà. Sur CS, on dirait Golan Noob, Deleb CS, c'est go jouer Pokémon. Ah! Non, bah c'est peut-être. Non, parce que sur. Sur League of Legends, maintenant, ils peuvent le dire. Parce que du coup, il y a MOBA Pokémon. Donc, ouais. C'est pour ça que je comprenais pas trop. J'ai essayé de comprendre. J'ai dit, mais c'est bizarre qu'il y a. C'est bizarre qu'il y ait cette expression, sachant que le jeu est sorti récemment, en fait. Il est sorti hier. Donc c'est pour ça, mais non, c'est pas celui-là de Pokémon alors qui parle. C'est Pokémon classique. C'est les Pokémon qu'on joue le lundi alors. Ou aux Sims, ouais. Mais c'est bien les Sims aussi, c'est pas mal. C'est pas mal, les Pokémon et Sims, c'est pas mal. Bien, maintenant essayons un 5 contre 5 unit battle contre d'autres dresseurs. Ton Pokémon sera Charizard, sera Dracaufeu. Ok. Bon, d'accord. Bon, on va essayer contre des. On va s'essayer contre des bots. Pokémon versus Sims, gros duel. Ah, j'avoue, putain, là c'est le duel au sommet. Là c'est. C'est compliqué là. C'est compliqué, mais. Il est écrit, seul Link peut vaincre Ganon. This is the Mare Stadium. D'accord. Donc alors, c'est divisé donc en deux zones, la zone alliée et la zone de l'opposition. Point faible de Pokémon. C'est sorti quand j'avais 18 ans. Ah putain, ouais. Non, moi c'est sorti quand j'avais 8 ans, un truc comme ça. Alors, c'est déposé mes héros synergie dans les gold zones. Donc les gold zones, c'est ça. Donc le but, ça va être d'aller chercher les points. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est une des zones de l'opposition. Enfin, un des buts de l'opposition. S'il y a plusieurs coéquipiers dans la même zone de but, le score peut grimper rapidement. Donc en gros, ça peut être plus rapide. Donc ça, c'est donc là, c'est notre zone à nous, enfin, notre zone de but. Donc on peut récupérer des vies dedans. Ça c'est cool, on peut récupérer de la vie, bah, classique. C'est parti. Ah, mais du coup, en fait, il faut évoluer. Charizard start. Ouais, donc Dracaufeu commence le combat au niveau 1, donc en Salamèche. Donc pour gagner des niveaux, il faut se battre. Donc il faut tuer, donc enfin tuer. Il faut vaincre des Pokémon sauvages pour collecter de l'énergie Eos. Allez, c'est parti, let's go. Comment the button path. Ah, c'est bien, c'est qu'il y a une espèce d'autolock en fait. Donc ouais, bah, c'est vraiment un MOBA en fait, hein. C'est vraiment un MOBA le truc. Hein. Donc je ne connais absolument pas les spécificités des persos. Oh, je suis niveau 3, je vais le tenter. Allez, c'est bon, ça va passer, nickel. Aïe! Ouais, nickel. Nickel, on va se reprendre un petit peu de vie, la histoire de... Putain, mais c'est vraiment un MOBA, waouh. Wow. Ouais, je sais que ma vie est low. Je suis low HP. Comme on dit dans le jargon. Ouais, j'ai repris toute la vie.
Ok, nickel, nickel, nickel. On prend de l'XP. Là, je vais l'aider. Je vais lui donner un petit coup de main, là. Ah, yes! J'évolue en Reptincelle. Oui, là, là, les gains d'XP. Gna, 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 gna. Go ahead and choose a move. Ah, cool, cool, cool. Je vais choisir Fire Punch. Oulala, oulala, la pyrène là. Mais je suis niveau 6 là, qu'est-ce qu'il y a là? Allez, boum, le Fire Punch. Ah, ton Pokémon a appris un nouveau move. Nouvelle attaque, Fire Blast. Allez. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut lui? Oh, on va lui niquer, on va lui niquer sa mère, on va lui niquer sa mère! Mais on va lui niquer sa mère! Oh là là! Allez, bim! Oh le score! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais à mon pote là? Vas-y, on nique ta race! Oh là là, on est trop fort! On est trop fort! Bon, c'est des bots, hein. LOL, c'est des bots. Allez hop là, le Namewi. Oh, je suis Dracaufeu! Je suis Dracaufeu! Oh lui! Oh lui! Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait là, le gros doudou? Où tu vas, gros doudou? You need move! Ah ah, look like nana speed flute zone, ouais, on s'en fout. Je sais pas trop pourquoi mais hop, oh, putain. Allez, on va récupérer un petit peu de. Oh là, il y a un Elector. Il y a un Elector qui est apparu dans la zone centrale. Battez Elector pour avoir plus de points. Oh. Mais il faut le battre avec son équipe. Allez, allez les gars, allez les gars, let's go les gars, let's go, let's go, let's go, let's go. Allez, allez, on l'a niqué. Oh, comment on l'a niqué. Oh là là, incroyable. Là, le Namewi, je voilà, nickel. Nickel, est là, niveau 10, là. Qu'est-ce qu'il y a, niveau 10, là? Il y a un problème, là. Allez, on va mettre des points là. Tu suis veux là le Florizer hein. Et voilà. Il voulait faire son malin là le Florizer. 80. 80 dans le coin. Ouah, je suis mid-life, je suis mid-life. Ah, je vais mourir. Je vais mourir, je vais mûrir. Je vais mûrir. Aïe. Vite, fuyons. Retraite, retraite, retraite! C'est bon, nickel. Ah, je peux faire un super jump? Comment ça marche le super jump? Ah, ZR. Bon alors, on les a niqués ou pas? Oh, on les a niqués! Easy peasy! Mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est rigolo. J'aime bien. Bon là c'était contre des bots, mais j'aime bien le truc. Je suis pas, je suis pas très MOBA. Je suis pas style, c'est pas mon style de jeu. Faut que je joue à HOTS, hein, mais... How I did you get a feel for how you need battle works? You can practice less whenever, gna 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 gna. S'en bat les couilles.
Oui, pour commémorer ta première bataille. Voici un cadeau. Ah, il faut que je choisisse. Bah, j'ai bien aimé Dracaufeu en fait. J'ai bien aimé le fait qu'il soit. Il est un peu. Il fait pas attaque défense, fait qu'il fait un peu tout. En fait, il est couteau suisse. And you can check the train lever. Train lever. Ah, j'ai gagné Flagados. Cool. Donc ça c'est les niveaux, à force de gagner des niveaux on gagne des trucs. D'accord. Bon, par jour bien évidemment on a les petits cadeaux, bah en même temps c'est normal, c'est un free to play. Bah c'est cool ça, à closette. Short, on va se mettre tout en noir, ouais, on va voir la classe. Yes. Je m'équipe de mes vêtements. Ah, mail. Launch bonus. Ah oui, Zeraora. Nanana. Ok, donc bah, c'est cool. C'est cool, bon bah maintenant passons aux choses sérieuses. Alors, Carapuce Blue, est-ce que tu es dispo? Are you disponible, Carapuce Blue? Voilà, hop là, on va mettre Discord. Bon, on va faire un unit battle en attendant. On va voir un petit peu. Je suis en game. Ah. Alors, merde, je suis en game. Bon, on va attendre un petit peu. On va faire une petite game en attendant. On va faire une quick. Battle local trainer V8. Oh, mais qu'ils emmerdent. Random match, on va faire un CPU match, on va faire ça, on va faire un match contre des bots. Ready! Comme ça, voilà, comme ça, je pense qu'on peut quitter à tout moment contre les bots, on peut quitter à tout moment. Ah non, en fait, non. Putain, mais les bâtards, ils prennent mes pokés. Mais je joue Dracaufeu! Fils de pute. Il m'a pris Dracaufeu, fils de pute. Putain, l'enculé, il m'a pris Dracaufeu, quoi. Bon, je vais prendre le pire au but. Oh l'enculé. Bon bah en fait c'est joueur contre des bots. Donc on peut mettre des items. J'ai fini. Oh putain. Oh bah ouais bah ouais bah. Attends, je vais essayer de quitter la game. Je vais essayer de quitter la game. Ta-na-na-na-na-na. Ready?
pas quitter la game. Je peux pas quitter ma game. Ah merde, bon bah tant pis, bon je finis ma game alors. Bah comme ça on teste un nouveau poké. Ça va nous permettre de tester ce poké. Allez Ludicolo là. Voilà, on a pris le petit pire au but. Ah nice. Oh, oh les points d'XP qu'on se fait là. Ah ouais, ça commence à attaquer. Ça commence à attaquer. Ça tâte de l'adversaire. Hein. Oh, double KO. Bon, après, c'est des bots. Hein. Après, c'est des bots non plus. Hein. C'est pas... Allez, Salamèche. Aide-moi. Je t'envoie mon code ami par MP Discord. Ouais, s'il te plaît. Allez. Bon, c'est contre des bots. Ça devrait être rapido. La partie devrait être rapide. Ouais. Voilà, incroyable. Oh, là, il y a des fruits, il y a des fruits. Allez, là, les petits points, là. Oh, j'ai évolué. Génial. Ouais, le blanc coton, là, il me casse les couilles. Hein. Oh. Vite, vite, vite. Aïe, putain, je suis mobilisé. Vite, vite, vite. Salut, Konix. Salut, salut. Vite, 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 vite. Reprendre des PV. Ah, yes. C'est bon, on est bon, là. Oh, lui. Allez, bim, 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 bim. Allez, le Namewi aussi, là. Le Namewi, là. Voilà, on va lui faire... Comme ça, au jeu à jeu, je vais te proposer de jouer avec toi, mais... Ah, je commence le jeu, je commence le jeu, je découvre le jeu. Après, pourquoi pas, hein. Après, pourquoi pas. Là, je découvre... C'est la première partie hors tuto. Bon, là, je joue contre des bots. Là, j'ai mis contre des bots en attendant, parce qu'il y avait Carapuce Blue qui était occupé. Mais ouais. Oh là 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 là. Oh putain, j'ai EP. Pyrobol, allez, pyrobol. Ah oh, putain, mais il me casse les couilles, sa cage éclair. Allez, merde, je suis mort, putain. Mais putain, mais je rame du cul, c'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de fou. Allez, la pyrobut. Alors on va faire le petit Namewi hein. Voilà. Ah mais je veux pas le faire. En vrai je peux typer on se fait en vocal. Donc tu fais gaffe car c'est tout, je t'explique les bases. Attends, je finis ma partie. Parce que du coup j'ai pas mis le Discord. Alors, tac, 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 tac. Ouais, le Namewi a dans sa gueule. Clac, clac, clac. Allez, allez, on récupère les points. On récupère les points, les gars. C'est lui, c'est ça. C'est bien lui. Allez, hop là. Et SB!
bim. Allez, oh là là, 28 points, incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait le petit Reptincelle là? Qu'est-ce qu'il fait là? Le petit Namewi, allez hop ça, voilà, ça on se débarrasse. Ouh le Flagados là, qu'est-ce qu'il fait le Flagados là? Qu'est-ce qu'il fait là? Et bim! Allez, bim! Allez, à ciao, bonsoir. Voilà. Allez, il va y avoir le poké là. Il va y avoir le poké qui va pop là, non? Allez, bim. Ouh, Pyrobol. Je prends Pyrobol plus. Ah là, ça se fight à ce niveau là. Oh là, mais y a trop de peuple, y a trop de peuple, y a trop de peuple. Je peux pas, je suis paralysé. Mais vite, fuyons. Je peux pas revenir, je peux pas back en fait. Allez, déjà on va mettre voilà, on va mettre ça. C'est 3 fois rien, mais oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait lui le blanc coton là? Vas-y, 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 viens là, je te pète la gueule. Allez hop là, voilà. Zapitrini, Zapirène. Oh, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Viens là toi! Viens là toi! Voilà! Non mais oh! Tu croyais faire quoi là? Bon alors, quand est-ce qu'il pop le poké là, le poké de zone? Merde. Hop là, voilà, hop là, Pyrène là. Les opposing team sur Undead, you win. Oh putain, déjà ils abandonnent. You win. Oh là là, incroyable. On est trop fort. On est trop fort. Donc du coup, je suis sur le Discord. Alors, tac. Ok, donc tu m'as envoyé le machin, le code ami. Next. Ah là là, incroyable. On a gagné. C'est fou. C'est fou ça. On est trop fort. Alors, du coup, on va faire... Hop là, Faut pas divulgâcher ton code ami. Du coup... Alors, ajout. Chercher avec un code ami. Alors, 3PQ. c'est sûr que c'est ton code ami Ah, d'accord, ok, lancer une game. Ok, je vais dire, mais attends, je suis sur le truc là, je comprends pas. Alors, friend search, at friend, salut. Tac. Non, j'ai pas mon code. Alors, vas-y, bah, MP-le, s'il te plaît. Comme ça, ce sera plus simple. Tac. Tac. Yes, merci. Mais il a l'air, je suis agréablement surpris, donc tac, add friend, voilà, là, tac, oups, ouais, bon c'est pas grave, tac, du coup, hop là, je repasse là,
Divulgacher le code ami. Alors, je cherchais comme ça. Et voilà. Que c'est un League of Legends. C'est un League of Legends, mais en beaucoup plus facile. En fait, grosso modo, il faut, il faut battre des Pokémon adverses et les Pokémon sauvages pour récupérer les espèces de boules et en fait les mettre dans le goal. Ah, je vais t'ajouter aussi sur la Switch, Carapuce Blue. Ouais. Ah. Tac, voilà. Donc là. C'est 2 minutes avant la fin pour l'apparition des lecteurs. Ah, d'accord. C'est 2 minutes avant la fin pour l'apparition. D'accord, je sais pas. Clac. Voilà. Donc là, voilà. Alors, je fais X, ouais. Ah, friend. Ouais, j'ai request. Ouais. Voilà, ça y est, c'est fait. Ouais, allez. Je comprends pas trop, mais. J'aime pas trop être chef, mais. Unit battle, ouais. Ah putain, oui. Un peu aussi comme. Comment ça s'appelle Ah ouais, comme Fortnite. Voilà, hop là, j'ai mis Carablou aussi. Ouais. Donc là du coup on fait quoi? C'est bon standard, c'est ça? Mode de jeu standard. Ok. Il est dans le chat, ouais. Il est dans le chat normalement, il est normalement il est aussi sur le Didi. Mais il est le Discord et normalement il est ouais, il est dans le chat aussi, ouais, il est dans le chat. Il est niveau 9, il est niveau 9. Alors il est niveau 9. Alors il a 25 batailles, 6 licences unit, parce que, du coup je check son profil. Il joue Ronflex et Flagados. Mais il main Ronflex apparemment, puisque le total de win est de 79%, et total battle 24 avec Ronflex. D'accord, ah merde, j'ai pas regardé. D'accord, bon. Voilà, j'ai mis pire au but parce que bon, j'ai bien aimé Dracaufeu sur le tuto. Mais ouais, pire au but, j'ai bien aimé là sur le combat, j'ai bien aimé. Ah oh putain, ouais, d'accord. Bah, je vais mettre Kuro. Ouais, je l'ai débloqué, ouais. Je l'ai débloqué, mais ça a l'air. Ouais. Oh la vache.
pense que vu ses attaques, ça serait possible, mais plus délicat. Voilà, j'avais pas, j'avais mal configuré parce que du coup, en fait, ça faisait que je parlais tout seul parce qu'en fait, j'avais pas mis sur le stream, j'avais pas mis le son. Je dis putain, et du coup, je regarde la jauge, je dis mais attends, mais c'est bizarre, c'est que. Et là, je dis putain, mais ouais. Là, ça parle j'ai mal réglé, ouais, j'ai mal réglé. Donc, du coup, non, je parlais pas tout seul, hein, rassurez-vous. Rassurez-vous donc, dans le chat, juste... tout va très bien. On a juste à espérer une chose, c'est que le healer de notre équipe sache jouer, le healer. C'est qui le heal? C'est le coton. C'est le coton-tige là. Ok, donc c'est blanc coton. Ok, d'accord. Genre dans les healers déjà, je vois que je sais plus. Il me semble la spéciale attaque, la finale attaque de Florizar, c'est un truc qui heal. Ouais. Mais par contre, le coton, je sais que c'est un healer. Donc d'abord, le scale. Voilà, ah, celui-là c'est fait. Alors, on va faire un petit poncho. Allez, soyons fous. Quoi, tu joues Pyrobut? Il me semble que Pyrobut, il a pas d'attaque à longue portée vraiment. Du coup, non, je crois que t'es. Non, c'est pas. Je suis limité avec ça. Alors, par contre, les seuls qui me font vraiment peur, c'est Ronflex et tout le bordel. Ah, on est Ronflex en face? Ah putain, ouais, Il y a un Ronflex. Oh, il y a un Zera Aura aussi. Il crotte. C'est bizarre quand même, le Ronflex, il fait peur parce que, genre, tu vois, un Ronflex, tu t'attends pas à ce qu'il soit aussi rapide que Bip Bip. Ouais, et au final, il est super rapide. Donc là, je fais comme les MOBA, hein. J'essaie de gagner à bloc d'XP. Ah, il a évolué en Flagados. Oh putain, le Flagados, oh la vache. Ah, mais il est niveau 4. Oui. Alors, il y a un healer dans l'autre équipe. Ah, mais Flagados est avec nous, putain, mais quel mongol. Je croyais que c'était un adversaire. Je le fuyais, je dis putain, mais il m'attaque pas. Je dis bizarre, il m'attaque pas. Oh, il y a Ronflex qui me focus. Oh putain, ah il me focus. Ah, il m'a niqué, putain. Culé. Avec le blanc coton, tu me putain. Ah, le bâtard. Il m'attaque pas. Ah, le bâtard. Putain, mais ils arrivent en bas. Vas-y, on va les avoir. Oh là là, oh là là, oh ouais. Là là, ils arrivent, ils sont tous en bas. Tu vois du coup le point fort du healer, c'est qu'on les avait mis vraiment très très bas. Ouais. Et Pikachu avec ses cages éclairs, il casse les couilles. Ah, par contre on est lent, mais je suis lent, regarde ma vitesse, sérieux, j'ai l'impression que je suis exprès. C'est pareil, je suis super lent, putain, on est une vieille. Ah c'est bon, j'ai up. Ah putain, il est en fond. Ah! Oh putain, il y a Ronflex. Fuyons! Moi, faut que j'attende de pouvoir améliorer. Une fois que je pourrai améliorer mes attaques, là, je vais faire mal. Putain, il fait bouclier sans foirer à Ronflex. Ouais, Ronflex, c'est un tank, tout comme Gros Doudou, il me semble. Mais enfin, c'est les deux qui peuvent utiliser un bouclier. Ouais. Donc tu vois là, pour savoir si les trucs ils apparaissent, genre celui d'en bas et celui d'en haut, la Motisma, ouais. Et tout le bordel, il y a un décompte, là ils viennent d'apparaître. Ah d'accord. Ah, et oui. Pareil pour Elector, quand il apparaît au milieu, il y aura un d'accord. décompte. C'est sur la minimap le décompte. Hein. Ouais. J'avais pas saisi. Alors là je vais mettre Pyrobol. Voilà, bah du coup lui en fait, si tu veux, lui il va nous donner Spark, voilà, c'est ça mon truc. En gros je fais ça. Et mon Spark, il me permet de faire un saut électrique et je me TP, on va dire. D'accord, ah bah c'est cool ça. Yeah. Par contre, c'est dommage en fait, qu'il n'y ait pas d'affinité avec les types, ça aurait été rigolo ça. Bah, je pense qu'ils vont peut-être. Ils vont peut-être les mettre dans les prochaines mises à jour. Ouais, peut-être. Ouais. Ah putain, je suis à 30, merde. Ensuite, le truc, tu vois, lui, celui qu'on vient de tuer, il nous donne un bouclier. Tu vois, ouais. Autour de nous, on a un bouclier. Et Motisma, du coup, en haut, je crois que tu te l'as fait dans les tutos. Il te donne en gros un bonus qui te permet d'affaiblir la cage ennemie. Oh putain, tu t'es fait niquer par Pikachu. Non, par Ronflex. Ah, par Ronflex.
Ah mais ouais, du coup, putain, là, les cages, ouais, j'avais pas fait gaffe qu'en fait les cages avaient des points de vie. En fait, ça c'est pour ça. Là, tu vois, nous on est à 100. Là, ils arrivent sur la selle à 100, du coup. Bah ouais, mais putain, mon Et avant, quoique les teammates, eux, ils sont en haut et personne pour défendre, quoi. Ça me trouve le cul. Alors après, faut pas se dire, tu vois, il y a un truc qui dit ouais, ça affaiblit la cage. C'est pas en mode genre c'est divisé par deux. C'est juste le temps que tu envoies les boules. Parce que Ouais. tu vois, plus t'as de boules, plus c'est long à envoyer dans la cage. Bah c'est juste ça, genre Elector, si on le bat, on aura zéro temps de pour mettre les Ah trucs. ouais, ça c'est cool C'est ça. tout. Ça affaiblit rien du tout en fait, c'est juste un temps. Allez, allez, allez. Oh, on va l'avoir, on va l'avoir. Mais putain, il m'a... Ah, putain. Yes, GG Flagados. Putain, je l'avais descendu le Ronflex. Oh là là. Tu vas rager encore plus que sur Mario Maker 2, je pense. Putain, mais complètement. Putain, je l'avais le Ronflex. Putain, mais on m'a stun. Putain, je suis dégoûté. Ah, je suis deg, merde. Bah tant pis, c'est pas grave, c'est Flagados qui a fait le kill, mais merde, quoi. Putain, Alors là, tu pour vois, selon Fallen. tes attaques, je me dis que là, ce que tu devrais faire, c'est pire au but. Enfin, pire au bol. Et une fois que tu as fait pire au bol, tu fais ton attaque ZR. Comme ça te fait un petit combo. Bam, Pikachu, tu meurs. Ok, il est apparu Dreadnought. Ouais, yes. Yes, Le I. healer, il est vraiment chiant, par contre. Le leur, parce que le nôtre, il est inexistant. Ah, parce qu'on a, nous, on a un healer, nous, je ne savais pas. Oh, ouais, bah, je sais pas non plus. C'est normal, c'est comme dans League of Legends, sauf le milieu, genre. Le mieux, c'est parce que beaucoup choisissent le. Ok, il y a le Motisma qui s'attaque à nous. Oh putain, allez voilà, et voilà ce gros porc là qui m'a stun, putain! Oh, qui casse les couilles, putain. Donc là, ouais, il y a un truc en haut, donc c'est le Motisma, c'est ça? En haut, il y a le Motisma et en bas, c'est Dreadnought. D'accord, donc Ok, faudrait j'ai pété récupérer. leur cage. J'ai pété leur cage. Faut continuer sur les deux deuxièmes Ah paniers, là. ouais, il y a Motisma là. Ouais. T'es en haut? Ouais, je suis en haut, ouais. Je suis passé en haut, mais putain. Je voyais un truc rouge, je dis ouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est juste Motisma. Ok, il y a notre healer qui se fait attaquer en bas. Banks. Voilà, le Ronflex, tu reviens par là. Pop, pop, pop. Non, Ronflex, que fais-tu? Allez, Voilà, j'ai nickel, le rond. nickel, 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 j'ai eu Florizarre. Ah non, pourquoi j'ai attaqué les apitrines? Mon god, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Vite, 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 vite. Ok, il y a le Florizarre qui s'est TP au truc. Et je ne sais toujours pas comment il fait pour se TP à ce machin. Mais ouais, c'est chaud. Par contre, pour ce TP là, je comprends pas le truc là. Je comprends pas le délire là. Il m'a écrasé, Ronflex. Là, tu vois, regarde, au milieu de la map, il y a le décompte. Dans 24 secondes, il y a Elector. Ah putain le Florizarre là, Florizarre putain il m'a niqué. Ah il m'a niqué voilà putain, chier. J'ai bien envie de. Viens, on va taper le lecteur, il arrive dans 10 secondes. Ouais, Alors là, ouais. tu vois la planche, c'est des trio piqueurs qui vont arriver. Tu fais avec le stick droit et ça te permet de faire un saut. Voilà, Ah Elector est arrivé. ZR. Youh! Allez, c'est parti. Vais mourir. On dirait un raid de Pokémon Go, sérieux. J'avoue, le bordel. Mais en fait, c'est qu'à ce moment-là, en fait, quand je me fais buter une fois, et eh ben en gros, ce que j'aime bien faire, c'est aller farmer les mobs et ensuite je vais exploser les cases des ans pendant qu'eux ils sont en train de s'occuper de l'Elector. Ah bah oui, c'est pas con. Moi Mais pour le moment. je bombarde les mecs, je m'en bats les couilles d'Elector, je bombarde les mecs. Ils se font bombarder par Elector et je bombarde les mecs. Moi, je m'occupe toujours des lecteurs, je sais pas pourquoi. Et Allez, voilà, on je l'a, on crois l'a, on qu'on a l'a. une ou. Nickel, nickel. Ok, faut se brouiller là. C'est bon, nice. Ah, je suis mort.
Putain, lui, le braque au feu, là, il me casse les couilles, hein. Voilà, c'est bon, j'ai niqué son braque au feu. Oh putain, il y a Ronflex derrière toi. Il y a Flagados qui arrive pour t'aider, t'inquiète. Ah putain, mais voilà, mais putain, mais il m'endort. Putain. Oh là là, putain, enculé, sa race de Ronflex de merde. Oh putain, vite. Bon, mais tant pis, c'est pas grave, putain, j'ai 42 boules. De quoi? J'ai 42 boules. J'ai 42 Pokéball. Ah, tant pis. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, fait chier. On a gagné. Oh la vache. Yes! GG! GG! Bra! Et c'est bizarrement le healer qui n'a rien foutu de la game qui est avec nous et qui est le premier! Oh la vache! Oh le salaud! Oh, putain, je suis dernier! Et c'est le healer qui a tout! Oh, putain, enfoiré! Ah le salaud! Du coup après c'est quoi, c'est retourne au lobby, c'est ça? Comme tu veux, ça te ramènera toujours au même endroit. D'accord, mais une menu retourne au lobby. Okay. C'est débile. J'étais avec le healer en top, on a carry total le top. Ah oui, non mais clairement, vous avez plus que carry le top. Ah c'est abusé, quoi, mais nous en bas on s'est fait défoncer l'anus. Hein. Ah non, mais le Ronflex d'en face, c'était le cancer. Hein. Oh là là, le cancer. En même temps, il fallait que je sois niveau plus vite. Je pense, en vrai, là, je vais plus farmer les bêtes parce que, faut que je sois vraiment haut level le plus rapidement possible. Non. Voile. Non, j'ai pas pris. Ah, j'ai pas pris. Je vais juste prendre Pyrobut. Mais le temps d'arriver sur Pyrobut, c'est que c'était trop tard. Enfin, c'est trop tard, c'est long. C'est long. Moi, ça m'énerve quand c'est long du kiki de passer, ils te font leur espèce d'animation de merde. Mais on s'en bat les couilles, nous on veut, c'est le perso. Après tu feras l'animation si tu veux, mais pas ça. En fait, j'attends d'avoir assez de pièces parce que je vais jouer à un cancer plus tard. Ah. Je vais jouer Ectoplasma. Oh putain, oh le cancer. J'aime bien Ectoplasma, il est marrant. Comment on fait pour faire les trucs, ça, Elgo to the top pass, comment on fait ça? Les missions là? Comment on fait les dialogues? Je vois pas de quoi tu parles. C'est quick? Ah oui, c'est quick. Oh putain, regarde, en face on a un acto. Il y a un Amphinobi en face. Oh là là. Je n'ai jamais joué contre Amphinobi. Je sens que ça va être la team du cancer. Battle prep. Oh, hein. Oh en vrai, ça passe. Hein. Le seul qui va être vraiment chiant pour moi, je pense, ça va être le Fenard d'Alola. Parce qu'il peut nous geler et c'est chiant. Putain, Lucario qui a cassé les couilles. Avec Garchomp, à coup sûr, c'est un tank. À coup sûr, il va tanker. Allez, nous aussi, on a un tank, regarde. On a Ronflex. Regarde sa rapidité, sérieux. Mais c'est abusé. Non, mais Carabou, tu abuses. tu abuses, je vais rester avec toi. Moi, je farm juste les mobs. Allez, petit cap humain là, hop là. Ok, nickel. Sgeg now. Allez. Meurs Ludicolo.
Ok, fin de ton menu, c'est là. Je suis level 3, je veux pas être level 3 moi, je veux être level 48. Ne dites pas les gars, vous êtes fait des frissons, là, j'en vois deux. Ah, t'es le premier ghoul, bravo. Merci, merci. Oh putain, là j'en ai deux sur le cul. J'ai le spectrum, ah putain, mais... Ah, mais il m'a tiré tout. Ah, c'est bon, je suis mort. Ouais. Putain, le spectrum, là. Ouh, 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 ouh. On va jouer le level un petit peu. Vas-y, je te défends. On a plus que 31, nous on va là, on est pas mal. C'est mon dash. Je suis pas encore familiarisé avec mes touches. Honnêtement, moi je te dis, utilise pas le ciblage automatique, vraiment utilise ton analogue droit, c'est beaucoup mieux. Ouais. Et au fait, est-ce que tu sais annuler une attaque, parce que je sais pas si t'as fait tous les tutos du jeu. Non, j'ai pas fait tous les tutos du tout. Alors en fait, pour annuler, genre imaginons t'appuies sur R mais t'as plus envie de le faire. Ouais. Bah tu fais R et juste après t'appuies sur B et ça te l'annule. D'accord. Parce que moi, je te jure, au début, quand je savais pas ça, j'ai fait tellement de misclics. Ouais, j'imagine. Oh, allez, ça y est, c'est bon, ils sont là. Oh là là, ils sont là, les cancers, ils sont là. Mais non, c'est pas... Ah putain, enculé de spectrum de merde. Plus mon dash, il fonce vers eux. Je veux pas vers eux. Perso, il est tellement cheaté que tu vois dans tes cages, en fait, tu récupères tes HP. Je l'ai buté alors qu'il était dans ses cages. Même si t'as abusé. J'en peux plus. Ce perso, il est tellement abusé. C'est complètement abusé. Ok. Drednaw et Emotisma. Ouais. Attends, je vais en soutien à Kara Blue. Vas-y, il y en a deux en bas, ils vont gérer Spectrum et tout bordel, je suis en haut avec vous. Ouais, nickel. Nickel. Hop là, voilà. Emotisma, tu vas prendre cher. Allez, Emotisma. Lucario. Lucario, adieu Lucario. Oh, putain, ah, adieu moi aussi. ils ont eu le Motisma, il va affaiblir nos bases. Oh merde. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un temps de récupération. On a la même démarche, mais toi t'es plus rapide. Tac tac. Hop là, ouais. I need backup. Il y a le fenard, il y a le Lucario là. J'arrive. Oh putain, y'a ectoplasma, ectoplasma. Ah, je suis mort. Ah. Je suis mort. Et voilà. C'est pas mal du tout ce petit jeu, il est pas mal. Tu ne dis pas du tout ça pour pouvoir éviter le fait de rager bien fort. Non du tout, non, j'aime bien, j'assume, je suis une grosse merde sur les MOBA, je suis une vraie grosse tanche, donc après, j'assume. Plus de niveau, je ne suis que level 9, il faut que je sois, ok j'arrive, faut que je sois, oh, il y a, Ronflex vite, viens, Lucario il charge. T'es où, il est là, Lucario, il descend. Écrapins, ça. Les mobs aussi ils évoluent. Écrapins, genre il évolue en sa prochaine. Lucario, il est en train de charger en bas Lucario, je crois qu'il va nous démontrer les caves. Ok, Motisma, tu vois là, il arrive dans 19 secondes. Ouais. Voilà, fenard. Ok, Ronflex, j'espère que t'en as beaucoup parce que j'en ai que 15. Okay, bon, c'est pas ouf. Mais même Ronflex dans la zone ennemie, il est rapide, genre. Oh, le ectoplasma, je l'ai éclaté. C'est
c'est un truc de fou, c'est abusé, ectoplasma, c'est abusé. Tu le vois pas? Tu le vois pas? Thanks. Allez, c'est bon, nickel. C'est comme si il n'existait pas. Allez, bon allez, okay. Je vais aller me taper le petit Motisma. On va aller vite régler cette histoire. Bah, l'ectoplasma il nous spawn dessus, les débiles. Eh, petit Lucario là, bim! Allez hop là, voilà. Allez là, on va niquer les cages là. Et voilà! Allez, c'est parti, on va aller démonter les autres. Maintenant, toi là, tu vas mourir. Enfin, Lucario, qu'est-ce que tu fais, Lucario? Qu'est-ce que tu fais là? Oh putain, faut que je me casse parce que là je vais mourir. C'est moi qui vais mourir. Ah, oh, c'est moi qui vais mourir! C'est moi qui vais mourir! Non, oh, putain! Et mourir? J'ai mouru. Je crois qu'on est mort. J'ai mouru. Tu es mouru. Ah, j'ai mouru. Comment on sait où on en est? Comment ça? Est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd? Comment on sait Moi, personnellement, je regarde juste les bases. Genre, combien de bases on détruit l'ennemi et combien de bases on détruit nous. Genre, nous, nos HP, là, on a 67 HP sur 100 en bas. Je sais pas. J'ai l'ectoplasma là. Oh, j'ai niqué l'ectoplasma. GG. J'arrive. Oh là 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 là, incroyable. Je vais passer un petit peu d'XP histoire de. Voilà. Et très bien, c'est très bien ça. Ouh, ils arrivent en force en bas, ils arrivent en force en bas. Carablou, tu as besoin d'aide, je suppose. Oh, je suis mort. Comment c'est qu'il y a combien d'amphinobiles? Ouais, c'est bon, Amphinobi est mort. Des Amphinobi, y en Cario. A beaucoup. Ok, il y a Elector. Unstoppable. Ok, ok, ok. Donc là, je suis devant Elector. Allez, en fait, Elector, la technique, c'est vraiment, tu tournes en même temps parce qu'il fait des attaques fixes. Et quand tu vois qu'il fait un gros cercle autour, tu t'éloignes pour pas qu'il fasse ça, là, pour pas qu'il nous assomme. Donc le mieux, c'est, tu tournes, il prépare, tu te barres. Voilà, attention. Bon, allez. Voilà. Oh là 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 là, incroyable. C'est rapide, c'est rapide. Donc là, on va tous focus la même base, sinon en fait on va trop éparpiller, donc pousse à celle du bas. C'est parti, voilà. C'est parti. Première, la deuxième, vite. Je vous protège, j'ai mon spécial. Vas-y. Nickel. Lui retourne à la base. Il y a ectoplasma sur moi. Je suis mort. Tu es mort? Merde, 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 merde. Ouais, j'ai plus de. Bon, alors là, c'était soit on explose la base du haut, soit on explose la base du milieu, mais je dirais celle du haut pour qu'on gagne. Celle du haut? Ouais, parce que là, regarde, on est à égalité en fait avec les autres. J'ai l'infini. Oh là, il y a ectoplasma. J'ai pas mon ulti, je suis mort, ils arrivent. Putain, Karchakrok, Fenard et ectoplasma qui sont arrivés en haut. Avec le Amphino. Ah oh, putain, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Time's up. Bon, time's up. Moi, je vais aller manger, du coup, je vais quitter le groupe, je reviens après. Pas de soucis. Oh putain, on a gagné. Le petit dab qui va bien. Oh là là, incroyable. Next, next. Main menu, yes. Et en fait, allez. C'est quoi enfin, c'est, enfin, concrètement, comment on voit qui est le premier là? C'est par rapport au point. Celui qui a la couronne. Celui qui a la couronne. Bon, mais c'est Flokey qui a la couronne. Bon, GG. Bon, du coup, moi je te dis à toutes. Hein. À toutes, bon appétit. Ah, bah attends, on est arrivé 74.
Génial, génial, génial. Je finis de manger aussi. Yes, mais bon appétit à vous, hein. Bon appétit à vous deux. Bon appétit à vous deux. Hop là, ouais, du coup on va faire ça. Tac, hein. On va laisser, on va laisser Didi. Main menu et on va faire du coup bon train bien à toi, merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Welcome to the beginner challenge. Ouais, cool. C'est des missions. Qu'est-ce que c'est ça? Challenge. Ah, j'ai gagné un bracelet. Ça, je peux. 3 unités licences. Cool, cool, cool. Ah, en fait, c'est des challenges. Ok, donc on va mettre 27 tutoriels pour avoir le chapeau, pour la casquette. Press R. Ah, pour claim. Des potions, on a gagné des potions. Ouais, cool, 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 cool. Et j'ai gagné 950 points. Ah, je vais pouvoir avoir Florizarre là bientôt. Press X pour open the menu. J'ai encore un mail. D'accord, mais on s'en fout. Donc, Pokémon. Ah, pour les obtenir, il faut payer. Ah, ils sont malins. Qu'est-ce qu'ils sont forts quand même dans ce truc. Du coup, comment ça se passe, hein, X? Practice. Tutoriel. Here you can, gna 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 gna. Allez, le tuto avancé 1. Comme ça, au moins, on gagnera la super casquette. Mais il est pas mal, ce petit jeu-là, là. Il est pas mal. Bah j'aime bien. J'étais dubitatif. Hein. Have you gotten the hang of unit battle? I am and cancel move. Ok. Voilà. Pour un pyro, pour une attaque pyroball. Ah, donc là maintenant il faut viser Monsieur Mime. Donc Monsieur Mime, s'il te plaît là. Ah, d'accord. Allez, Pyroball. Huch! Oh là, incroyable! Alors on peut donc du coup annuler. Ok, donc du coup, voilà, la fameuse annulation d'attaque. Qui est pas mal, qui peut être très pratique. Du coup, advance de défaite, batté, motisma. Pour faire que la zone de vos opposants... soit qu'il n'y ait plus de défense dans les zones adverses. Ah, c'est compliqué de traduire comme ça, hein, putain. Bon, grosso modo, il faut battre Motisma pour casser les défenses des zones adverses. Voilà. Concrètement, c'est ça. Ah, mais je suis Pikachu. Oh mon dieu! Il faut que j'aide Ramolos à battre Motisma. En ZR, donc bouclier Thunder Shock. Donc c'est cage éclair. Voilà, ça, la mèche, elle casse ses couilles.
Ok, donc c'est bon, on a Motisma. Donc là, Motisma casse du coup la défense de la zone. Et on gagne 20 points, d'accord. Et ouais, nickel. Pika, Pika, Pikachu. Donc il faut qu'on casse la zone. On l'a presque cassé. Il nous manque encore 5 coups. Donc là c'est bon. Et voilà. La zone est détruite. Donc du coup... Ah c'est ça en fait qui nous ralentissait. Je comprenais pas en fait. D'accord. Donc en gros ça nous ralentissait. Donc là... ça fait qu'on va un peu plus vite. Oh, le retour de Motisma. Qui nous fait gagner donc du coup 20 Pokéballs. Oh, ok. Voilà le Salamèche, merci, au revoir. Ah, quand même, on a un but bizarre avec nous. Quand même, ça c'est cool. Allez, on récupère du coup les Pokéballs. On va faire comme ça. Allez, clac. Allez, bim. Allez, Ramolos. Oh, incroyable. Allez, petit Namewi. C'est dommage qu'il n'y ait pas les affinités de type. Bon là ça passe crème, franchement ça passe crème, mais ça, en temps normal ça passerait pas crème. Ça se voit que c'est des bots, sinon ça passerait absolument pas, c'est pas possible. Allez c'est bon, on niquait. Et voilà. Du coup, on est prêt de la zone du milieu. Ah, tutoriel complete. Yes. Yay, on a gagné le tuto. Allez, on va faire le tuto d'Elector. Ok, donc là on a Elector. Ah, je suis le Mimisange. John, go to the alley. Faut que je vole à la rescousse de mes alliés. Allez, c'est parti! C'est parti! Où tu vas toi? Où tu vas toi? Mais j'attaque Zapdos. Oh là là, oh là, il va me faire une super attaque. Ah bah ça il est mort. D'accord, donc là les zones des ennemis donc sont sans défense. Allez, let's go. Il faut détruire la zone du milieu. Ah mais je peux pas encore. Ah parce que voilà, parce qu'on n'a pas détruit toutes les zones. Mais quel mongol je fais. Allez bim là les 30 là. Oh là là, incroyable.
donc là, pareil, le petit Namewi. Voilà, c'est un petit peu easy peasy là. Mais c'est rigolo quand même, hein. Très honnêtement, j'étais quand j'avais vu quand j'ai vu l'annonce d'un MOBA Pokémon, j'ai hurlé, hein. J'ai hurlé à l'hérésie. Je dis mais sans déconner, mais c'est quoi cette merde? C'est pas ça qu'on veut nous, c'est pas ça qu'on veut. On s'en bat les couilles d'un MOBA. Bientôt, ce sera quoi? Ce sera un Battle Royale qui vont nous pendre. Je gueule à l'hérésie. Mais là, mais je le trouve pas mauvais en fait. Je le trouve pas mauvais. Mais par contre, c'est un free to play. C'est ça le problème. Donc, qui dit free to play dit bien évidemment c'est free to pay. Ça qu'il faut entendre avec énormément de microtransactions. Et effectivement, c'est à bloc de microtransactions. Mais bon, après, la gratuité se paye. Clairement, la gratuité se paye. Si jamais il y a quelque chose de gratuit, il faut toujours vérifier derrière ce qui se cache. Parce qu'il n'y a pas de gratuité. La gratuité n'existe pas en soi. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose. Il faut du profit. Il faut du profit derrière. Donc la gratuité n'est pas si gratuite que ça. Allez, Lucario, il faut qu'on aille battre Ludicolo. Defeating Ludicolo, you give your Pokémon a purple aura. D'accord. Bah, je me rave Ludicolo, quoi. Avec un aura, et donc ça va me donner quoi? Ah, ça me donne un boost, ok. Allez, Bouffalant. Voilà, on a un Meteor Smash. Orange aura. Donc il a une aura orange. Donc, attaque and decrease the movement speed of opposing Pokémon for a short time. Donc du coup, ça va augmenter ma rapidité. Si je comprends bien. Je savais pas ça. Voilà, donc du coup, ma quick attack. Oh là là, Karchakrok. D'accord, donc ça me donne en fait un bouclier, ça me donne un bœuf bouclier. Là, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi Ronflex avait un putain de bouclier. Je dis, mais c'est pas possible ça, c'est bizarre ça, c'est... Ça fait partie de ses attaques. Ok, donc là j'ai un bouclier donc temporaire. Ok, bon bah ça va. C'est bon à savoir ça, c'est bon à savoir. Du coup, comme quoi c'est quand même important de faire les tutos. Donc du coup, je peux claim. Voilà, donc là j'aurai juste encore deux batailles standard. Donc login to the game, ouais, participate in une battle, yes. Trois battles, oui, gagner une bataille, oui, gagner deux batailles. Allez, time for unit battle. Oui, super. Game released. Oh là là, incroyable. J'ai plein de cadeaux. J'ai plein de cadeaux, mais ça cache quelque chose. Ah d'accord, donc ça c'est les cadeaux. Les cadeaux de connexion. On va faire un match standard. Allez, je suis ready.
pour Poré. Mais le temps que ça charge l'animation, putain. Ah, je prends pied au but. Alors, donc Quick. Allez, on va prendre le top. Donc le top, c'est en haut. Ok. Let's give it all. Je sais pas ce que ça veut dire. Let's start the battle. Donc en face, donc nous avons un Zeraora, nous avons un Pyrobut, un Flagados, un Karchakrok et un Fenard d'Alola. Somme en soi, une équipe de casse-couille. Mais encore, ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. On va faire gaffe aux Zeraora et aux Karchakrok. Après, le reste, ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Ça lag du cul! En même temps, c'est, bon, ça, c'est Tencent, c'est pas Nintendo, c'est pas serveur Nintendo, heureusement. Mais... Allez, hop là, on prend le top. Ah, les caps humains là, où vous allez là? Voilà, on va essayer de prendre un bloc d'XP. Ah, ça commence à venir, hein, ça commence à venir. Ok, il y a le fenard. Ok, ils sont à deux. Oh putain, ça gèle. Bon, on va faire les crapins là. Ah, le petit écrapins qui va bien, voilà, nickel. Ce serait bien qu'on up là, ce serait bien d'évoluer là. Coucou. Je suis de retour pour jouer des mauvais tours. Ok, donc là on va faire un petit écrapins là. Alors ça fait combien de games? Ces Zapiren, tout ça là, ils nous les ninjas là. Attention, ils arrivent. Allo. Ah putain, je me suis niqué, putain. Fenard de merde. Il me faut encore de l'XP là, il me faut de l'XP parce que ça va pas du tout. Hey. Oh, le Zeraora est arrivé. Oh putain, le cancer est là. On m'entend pas ou je suis juste con? Ah putain, ils ont niqué notre zone. Oh, ils sont clairement en avance sur nous. Oh là là. Oh, ça pique. Oh, comme ça pique. Allô. Aïe. Ça picousse du cul. Attends, on va remettre le casque. Parce que du coup, j'ai pas mis le casque, voilà. Non, je t'entendais pas, j'avais pas mis l'audio. Là, c'est bon. Là, tu m'entends.
Ouais, je t'entends, ouais, j'avais pas mis, j'avais débranché le casque. Ah, ok. Du coup, les écouteurs Bluetooth sont desservés, du coup, je vais raconter vos choses. Très bien. Oh putain, on se fait marave, on se fait marave la gueule. En même temps, on était tout seul avec le Karchakrok là, au top. Là. On était pas top, on est vraiment pas top. Oh putain, il m'a Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je te rejoigne directement, genre si je vais dans Friable. Voilà. Non. Il faut à tout prix que je up là, je suis pas up là. J'ai pas upé, ça va pas du tout. Ah ouais, c'est bon. Du coup, est-ce que t'as tenté les combos? Ouais, bah du coup, j'ai fait les tutos. Et du coup? Bah du coup, j'ai un peu compris. J'ai saisi quelques trucs. Assez intéressant. Ok, un bol. Nickel. Ok, donc c'est bon. Le motisma, on l'a niqué. Crapels, je veux une feinte. Je veux plutôt une feinte sur le ZR. Ok, on a un petit rubik ici. Ah putain, ah, le Zeraora, il nous a niqué. Allez, ça descend. Putain, ça monte au top, Putain, ils prennent le top et le bot. Putain. Ils prennent la bot lane et le top. Voilà, bon, c'est bon, on est mort. On est clairement mort. Oh la vache. Du coup, non, je ne veux pas ça. Moi, ce que je veux, c'est mon cosmétique. Je veux ressembler à quelque chose de beau. Là, ah, je mange. Ah, niqué par le pyro but, quoi. Putain. J'aurais pu l'avoir. Ok, donc juste casquette. En t-shirt. Super jump. Allez, super jump. Super jump, plus. Tellement bien, je ressemble tellement pas à ce que je devrais être de base. Ah, alors là, on a un motisma, go le motisma. Là. Là. Voilà. Voilà, c'est bon, on a le motisma, nickel. Voilà, j'ai claqué l'ulti sur le Zeraora, tant pis, vas-y, va se faire enculer. Voilà, un petit peu d'XP. Oh, pas de mal. Il faut démonter sur la zone adverse. Putain, j'ai 40 boules. Allez, let's go. Il n'y a personne, let's go. Allez, je peux en mettre 40 dans la gueule. Yes, j'aurais mis 40 dans la gueule. Voilà. Allez, 2 minutes 30, c'est pas grave, je me suis fait niquer, mais c'est pas grave. Ah, j'avais mis un bon 40 dans la gueule. Ah putain, c'est pas grave. Il nous reste une zone avant le middle, putain. C'est chaud. Ah, ça y est, Elector, je crois qu'il est là.
Ok, Hector est arrivé. Yes, nickel, on l'a niqué. Oh, putain, yes. Est-ce qu'on doit se réjouir ou... Ah oui, parce que c'était chaud. Bon. Ah putain, Elector. Ah, ils ont fait Elector. Allez, 1 minute 30. Qu'est-ce que je peux faire en 1 minute 30 sur ce jeu aussi passionnant que deux couilles qui se pompent? Alors là, c'est une bonne question. Putain, il nous reste une zone, sans déconner, il nous reste une zone, on était des grosses merdes. Putain, j'avoue, vous êtes tellement nuls. Ah non, mais on était des grosses merdes, vraiment. Je suis à combien de sous? Je suis à 8970 avec ton plasma. Je vais pas dire que mes mates, c'est de la merde, mais je partage. Mais pas loin. Je partage la responsabilité. On était merdiques, J'ai mis énormément de temps pour prendre de l'XP. J'ai merdé sur la fin, sur le début, j'ai merdé. Ectoplasma, il. Ok, d'accord, je vois. Alors, les all-rounders, c'est Dracofeu, Matconier, Karchakrok et Lucario. Donc ça, ce sont les tanks. Ouais. Les attaquants, ce sont Florizarre, Pikachu, Fenard d'Alola, Amphinobi, Pyrobut et l'oiseau chelou qui ressemble à... Je sais pas. Ensuite, les défenseurs, il y a Ronflex, Flagados et Carabrick, là. Ensuite, les rapides, les speedsters, c'est ceux qui sont en gros pour la reconnaissance. Donc, pour la reconnaissance, il y a Ectoplasma, Absol et Flambusard. Et pour les supporters qui peuvent te heal, il y a Gros Doudou, Coto Truc là, et Monsieur Mime. Oh la vache. Alors moi du coup, et vu la page comment elle est grande, je pense en vrai il va y avoir de nouveaux Pokémon. Oui, moi du coup, sûr. Ectoplasma il coûte 10 000 pièces, et je suis à 8 000. Oh la vache. On va se m'inviter dans le lobby. Hein. Alors... Clac, donc c'est X, c'est ça. Ah merde, item box. En mail, qu'est-ce qui se passe en mail? Ah oui, c'est vrai, mon item box, parce que j'ai un truc nouveau qui est assez cheaté. J'ai un plume d'attaque. Donc c'est unit battle. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien ou c'est trop fort? Non, nickel. Ok. T'as vu mon skin, on dirait un travesti. Magnifique. Immortel. C'est trop stylé. Le style est présent. C'est le sou. Get ready. Oui, je suis ready. Pardon, moi aussi je suis ready. Je suis ready. Je suis ready. Are you ready for the party? Alors, moi du coup... Non! Mon perso, je le veux! Oui! Je veux mon perso si je veux mon Pyrobut! Oui! Pyrobut! Si j'ai pas mon Pyrobut, je suis énervé! Alors, du coup, là, Pyrobut, c'est un attaquant, donc t'es fait pour être en première ligne. Moi, apparemment, je suis aussi un attaquant. Là, le aura truc, c'est aussi un attaquant. Il va être le chiant parce qu'on est trois attaquants. Karchakrok, lui, c'est. Karatrok, lui, c'est un tank. Ouais. Karchakrok, c'est un tank. Dracofeu, c'est un tank. Là, il va prendre qui? Il faut qu'il sache qui prend. Flagados. Flagados, si je me rappelle, je revisualise le truc. Flagados. Ah bah tiens, bah les couleurs. Ah bah non, moi je suis un speed. Donc Flagados, lui, c'est un défense. Tu vois, les couleurs rouges, c'est attaquant. Ouais. Les violets, c'est les tanks. Les bleus, c'est les speeds qui sont faits pour la reconnaissance. Les verts, ce sont les défenseurs. Et les jaunes, ce sont les healers.
D'accord, donc on n'a pas de heal, c'est cool. On n'a aucun heal. Voilà, c'est génial. Nigosia en face, qui va faire chier, ça va être le Rumflex. Voilà, le Cramorant, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas non plus. Vraiment, je ne sais même pas pourquoi ils l'ont mis dans le jeu, personne ne le connaît. Allez, on go attaquer. Oui. Ok, je me cache, je dois AFK 2 secondes. Merde. Vas-y, vas-y. Va faire caca. Voilà, donc il faut pas que je fasse la même connerie que sur la première, sur la manche précédente, qui était de, de perdre lamentablement. Ok. Hop là. Ah ! Nique sa mère ! On aurait pu. Bon, c'est un Rumflex en même temps, sac à PV, sac à merde. Compliqué. C'était compliqué, mais bon, déjà on a tué Salamèche, ça c'est cool. Le Ben Salsino là. Ben Salsino, on va le faire là. Voilà, c'est bien fait. Les crapins au passage. Voilà, nickel. Hop là, les crapins, c'est nickel. Là, les apirènes. Et les apitrini, là. Petit sbire là. Voilà, faut qu'on les fasse. Voilà, petite apirène. Nice. C'est bon. Hop. Clac. Où tu vas ton Rumflex? Ah, c'est bon, Konix t'es là, nickel. Là, il y a petit Salamèche là. Non, je suis pas là, juste que mon perso, en fait, quand il tombe sur un ennemi, il avance tout seul. Ah, d'accord. Donc, il attaque aussi, donc c'est normal, si je suis AFK, ça va attaquer tout seul. Je pense que c'est ça qui règle le problème de des bannissements et tout. Oula, Staki. Ah, putain, je me suis fait niquer par le Salamèche, putain, qui a du coup évolué. Je l'ai fait up, cet enfoiré. Le salaud! On va jungle un petit peu. Comme ça, on va prendre des buffs. On va se buff un petit peu là, comme ça. Voilà, nickel. Un petit peu d'XP aussi au passage. Ok, donc là ils sont en haut. Ok, donc il y a Motisma qui est apparu. Allez les gars. Ah putain, on s'est fait niquer. Ouais, c'est pas grave, on a niqué le Rumflex. J'ai pas niqué le Rumflex ? What ? Mais... Ah mais lol. Là je suis de retour. Ah. C'est toujours dans le jeu. Alors ça par contre c'est vachement cool qu'ils nous fassent un système genre tu attaques dès que tu vois un ennemi pour pas qu'on soit ban comme dans League of Legends. Ouais. Flame charge, comme ça là. Ah je me suis fait tuer, trop bien.
Oh là là là, mais un attaquant et un défenseur, quoi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et je viens en reconnaissant. Oh, toi, par contre, j'ai besoin de niveau. Voilà, là, ouais, il nous faut du niveau, parce que là en face, c'est du niveau 10 et du niveau 11, là, Dracofeu. Dracofeu, Ronflex, c'est niveau 10 et 11. Ah, ils sont là, c'est niveau 10, c'est niveau 10, c'est niveau 10. Putain, mais ils me spamment là. Je vais faire de mon mieux. T'as toute la team qui vient avec toi. Coucou. Ok, ils sont là. À deux. Mais voilà. Nickel. Là, le Ronflex, là, le Ronflex. Alors, je n'ai jamais essayé Wild de charge. Oh non, je me suis fait niquer. Putain, ouais, il y a toute la team adverse en fait. Il y a toute la team adverse. Je me suis fait déboîter le prépuce. Ah non, mais là, on se fait déboîter l'anus. On se fait déboîter tout le bordel en fait. Hein. C'est ça. Oui, il y a la plateforme de Duchelot. T'es là-bas, mais il y a Flagados avec toi. Là, ouais. Flagados, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un d'autre ou on est que nous deux dans la partie? Non, je sais non, pas. Non, c'est quelqu'un d'autre. Je me TP, je fais une attaque. Oh putain, c'est ultra cheaté. Non, c'est bien quelqu'un d'autre. C'est pas un bot. Là, il y a Motisma. Non, en fait, je voulais dire. Putain. Est-ce que c'est quelqu'un avec nous, quoi? Parce que. Ah ouh, c'est quelqu'un plus avec ce qu'il y a. Ouais. Non, oh, putain. Dans notre lobby perso à nous. Ah non, pas du tout. Non, j'ai longtemps pas joué à ce jeu lambda. Bah, j'avoue. Soit t'es con, soit je suis con. Peut-être les deux. Oh, les deux. Blaze Kick, yes. Allez, c'est parti, let's go. Oh là là, on va leur déboîter. Il y a tous les ennemis à la base, fais la flèche du bas. Fais la flèche du bas. Ah, c'est bien ça qu'on puisse back. Ah, il a son ultime. Voilà, donc tu vas toi. Toi, t'as vu ton truc, il est ultra cheaté parce que tu peux devenir rapide d'un coup. C'est ça. C'est complètement pété, j'adore. Alors, on flex là. Le ronflex, j'arrive. Je me TP. Bam, allez, bam, bam. Allez, bam, 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 là. Hop là, bam, bam, bam. Et voilà. Je l'ai éclaté, comme oula, d'hab. Oula. Je vois moi qui fais tout ici. Là, il a. Je vais en bas pour pouvoir utiliser mon panier. Comme ça, je vais peut-être détruire le truc. Voilà, comme ça nous fait un petit peu d'XP là aussi. Bim, bam, boum. Je t'en mange les locums. Voilà. Élector dans quelques secondes. Ok. Vas-y, moi je vais voir Elector. Hein. J'ai mon ultime en plus, je vais lui faire vachement mal. Ok, Elector arrive dans 5, 4, 3, 2, 1. Toi par contre, tu m'énerves là, le healer de crotte. Oh putain, et ils sont dans la base, ils sont à la base. Oh le healer, mais il est chiant. Allez, le healer. Let's go. La Ramolos, Flagados qui va vers l'Elector. Il est tout seul. Ouais, mais. C'est parce que je suis mort. Oh putain, mais je crois qu'on est tous morts en fait. On est vraiment des merdes. Non, c'est marqué en haut, regarde. Tu vois le temps de respawn des autres. Ah, ouais. Là, Flagados, il arrive dans 6 secondes. Ça aurait été cool que petit à petit, genre les spawns, enfin le super jump, plus la partie avance, plus ça augmente la distance que tu peux faire. Oh putain, ils sont là, ces connards, putain. Je me fais niquer quand ils m'ont pris à 3, ces bâtards là. Le nigosier, le. Mais what the fuck, mais c'est quoi ce monde? Le heal, putain, mais les bâtards quand. Le moineau. Ouais. Espèce de moineau, c'est bon. J'ai une question, c'est quand que tu refais du Super Mario Maker 2, toi? Parce que j'ai l'impression que t'en fais plus. J'en ai fait la semaine dernière. Non, là, cette semaine, je n'en ai pas prévu. Où tu vas, toi, le dragon feu, là? Où tu vas, toi? Oh, putain, mais ils sont tous sur la zone. On est mort, hein. On est plus que mort, là. Ah, bah, c'est trop bien de mourir comme ça. Bah, ouais, mais on a des mates extraordinaires.
Oh, ça va être comme dans League of Legends. On a des mates incroyables. Ah là là, mais ouais, mais carrément. Désolé, on a carré de ouf là. Eh oui, dans League of Legends, mais tu sais, ça, je me suis toujours dit. C'est bizarre parce que nous, on insulte toujours nos mates. Mais ça veut dire que s'il faut, nos mates aussi nous démontent oui, en vrai. Ça, ils en nous fait, disent, ouais, mais les démontés par les mates. Après, c'est les scores qui parlent. Après, ils le verront bien. Perso, mon score n'est pas très élevé parce que je suis AFK, mais ça compte pas. 900, ils ont failli mettre un 1000. 190, quoi. Putain, c'est fait déboîter. Ils ont failli nous mettre un 1000. On s'est fait défourailler le cucu. Ah ben voilà, voilà. Qu'est-ce que je disais, c'est les mates. C'est les mates. Les mates, c'était des grosses merdes. Ah, le, moi ça, le Karchakrok, là, il a fait de la merde. Il a fait de la merde. Non, toi, tu étais FK, d'accord. Mais le Karchakrok, il a fait de la merde. Ah, c'est moi qui ai carré la game, moi. Et voilà. Putain. Oh là là, c'est la faute des mates. Toujours la faute des mates. C'est toujours la faute des mates. C'est clair. Bon, bah voilà, bah c'était cool, cette session-là de Pokémon Unit. C'était pas mal. C'était pas mal. On va en refaire. Mais voilà, je vais aller manger. Je commence à avoir la dalle. Est-ce que tu re-appris ou pas? Je pense pas, non. Je pense pas. Ah, on va claim. Ok. Bah moi, du coup, je vais te laisser. Et on va claim le chapeau. Voilà. Yes, j'ai le petit chapeau. J'ai gagné le petit chapeau. Incroyable. Moi, je te dis salut et ben, je vais regarder la fin de ton stream. Merci beaucoup. Bah, de toute façon, oui, je vais conclure. Merci, merci d'être passé. Écoute. Pas de problème. Merci d'être passé, merci beaucoup. Salut. Ciao, ciao. Hop là, on va couper le Discord et on va passer ici. Voilà, bah en tout cas, c'était cool, c'était vachement cool là, cette petite session de Pokémon Unit. Je pense qu'on va refaire, mais on en refera, ça c'est sûr et certain qu'on en refera, parce que franchement, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout. Mais voilà, je vais essayer un petit peu de train à côté, je vais essayer un petit peu de train tout ça, ouais, c'est un peu froid là c'est un peu mieux. Le temps est un peu plus chaud, un peu plus éclairé. Donc voilà, en tout cas, c'était vachement cool, c'était vachement sympa cette petite session de Pokémon Unit, session de découverte bien évidemment, qui se noie dans le flux de stream sur Pokémon Unit. Mais bon... Voilà, hein. On a testé, on a vu, on est venu, on a vu et on s'est régalé. Franchement, on s'est régalé, je pensais pas autant me régaler. Franchement, je me suis dit, bon putain, les MOBA, ça pue du cul généralement, mais ça va, franchement, ça va, c'est cool, ça passe bien, ça passe très très bien, c'est pas très très compliqué. En termes d'accès, c'est pas très très compliqué. Donc franchement, ouais, on va en refaire et on s'est fait éclater le trou du cul, exactement. On s'est fait éclater le trou du cul, mais avec les zoneurs. Non, c'est ça qu'il faut, c'est ce qu'il faut se dire. On s'est fait éclater le derche. On a un trou de balle comas. Mais c'est la faute des mates. Ça, c'est la faute des mates. Parce que quand même, ça, on a carré la game. Bon, tu étais FK, certes, mais on a quand même carré la game. Et ça, c'est l'essentiel. Donc, c'est encore une fois la faute des mates. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que les prochaines sessions de Pokémon Unit seront un peu plus... florissante, un peu plus agréable, et toujours les mates exactement, et avec un peu moins de mates trous de balle, voilà, avec des mates qui jouent un petit peu mieux, parce que bon, là c'est vrai que c'était la merde, c'était vraiment la grosse merde, mais bon voilà, en tout cas on se donne rendez-vous dès demain 19h30 ici même pour une session Sea of Thieves avec Trax et également Chap. Voilà, donc le rendez-vous est donné demain ici même sur cette magnifique chaîne. Une session de Sea of Thieves, 19h30. Et bien sûr, après samedi à partir de 19h, le live spécial anniversaire. Parce que it's my birthday. Ce sera mon anniversaire samedi. Donc voilà, on fera un petit live spécial.
anniversaire. Peut-être qu'on soufflera, on soufflera même des bougies en live. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est vachement sympa. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et ce live jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous à 19h30 ici même pour, bien évidemment, la session Sea of Thieves. N'hésitez pas à rejoindre le Discord chevelu qui est juste là. Alors regardez le beau lien là. Hop là, le beau lien là. Il est là. Il est là. Il est beau. Hein. Il est magnifique. N'hésitez pas à rejoindre sur Discord pour ne rien rater des actualités de la commu chevelue et puis jouer aussi, jouer ensemble, parce que oui, on peut jouer ensemble, et d'ailleurs, jouons ensemble. C'était Fouals, je vous dis à demain 19h30, bonne soirée, ciao ciao.